un quart des salariés en 2030 seront des personnes aidantes, soit des personnes âgées, soit des personnes en longue maladie. Donc nos métiers du soin et de l'accompagnement sont importants, à la fois sur le plan social et économique, bien entendu. Le message que je suis venue porter, c'est la capacité d'une entreprise telle que la nôtre à concilier intérêt économique et intérêt sociétal. Le deuxième message que je souhaitais porter aujourd'hui, c'est la capacité de la qualité d'entreprise à mission à aider des dirigeants tels que nous sommes à concilier sur une durée longue intérêt social et intérêt économique. En complément de la qualité de la société à mission qui donne un cadre et une boussole aux dirigeants, Bicorp est aussi un point de repère et un élément intéressant qui engage l'entreprise dans une dynamique de progrès et qui lui permet de se comparer à ses pairs nationaux ou internationaux. Au-delà de notre qualité d'entreprise à mission, nous avons choisi de compléter notre démarche avec un engagement Bicorp pour mesurer en permanence nos progrès. C'est la première année que Colisée intervient à Giverny, très heureuse d'y être. Effectivement, pour croiser des regards avec des professionnels, des personnalités politiques et du monde de la société civile sur l'engagement durable de nos entreprises.